Merci. La parole est à Monsieur Patrick Mennucci. Monsieur le Président, Madame les Ministres, mes chers collègues, enfin, avec 46 ans de retard, le territoire de Marseille va s'organiser. Que de temps perdu depuis qu'Olivier Guichard nous l'a proposé en 1966. Combien de milliards qui nous ont manqué aux investissements de notre territoire. Plus ou moins 10 milliards d'euros en euros constants. Si notre territoire est dans la situation que tout le pays connaît, c'est en grande partie parce que nous n'avons pas bénéficié des transferts financiers de l'État et parce que nous n'avons jamais eu de gouvernance collective. Merci, Madame la Ministre Marie-Lise Lebranchu, pour votre obstination. Merci pour votre travail et votre patience. Votre nom, Madame, sera à jamais lié à ce nouvel espoir pour notre territoire, à ce sursaut dont vous donnez ce soir, ici, à l'Assemblée nationale, le signal. Merci, Madame la Ministre, parce que vous faites pour nous ce que nul n'a jamais fait en nous donnant un cadre institutionnel à notre essor. Songez qu'aujourd'hui, encore, alors que le chômage est à 14% sur notre territoire, on ne peut relier en transport en commun les 6 bassins d'emploi de la future métropole ex-Marseille. Songez que notre territoire, qui compte 122 000 emplois privés de moins que la communauté lyonnaise, ne dispose d'aucune structure de promotion territoriale et d'intelligence économique. Pire, les 6 PCI se concurrencent inutilement. Quelle logique y a-t-il à ce que la plus grande zone commerciale d'Europe, celle de Plan de Campagne, dont 80% des clients sont marseillais, payent leurs taxes à Aix-en-Provence? Quel trou juridique a permis à Marseille d'imposer son incinérateur à Fos-sur-Mer en abandonnant au passage 10 millions d'euros annuels de taxes professionnelles? Quelle absurdité qui veut qu'en ce moment même, 2 projets d'aréna soient à l'étude, l'une à Marseille et l'autre à Aix-en-Provence. Alors oui, avec retard, nous en sommes conscients, mais avec détermination, nous allons entrer dans la modernité. Et nous avons bien l'intention de rattraper ce retard. Face au clientélisme, face au passe-droit, au laisser-aller général, à la crise économique et morale qui nous frappe, nous posons ici les bases d'un nouveau cap. Le cap de la réduction des inégalités, le cap du vivre ensemble, le cap de la solidarité et surtout le cap du développement économique. Sans métropole, point de transport en commun, point d'implantation d'entreprises, point d'emploi. Sans la métropole, pas d'investissement suffisant dans les eaux usées, un désastre écologique qui peut arriver d'ici 5 ans et nous contraindre à interdire les baignades sur nos côtes. Sans le PLU métropolisé, les ghettos perdureront à Marseille, pendant que d'autres communes continueront à réfléchir aux meilleurs moyens pour se barricader plutôt que d'exercer la solidarité. Sans la métropole, sans les outils qu'elle va nous fournir, la ville de Marseille peut s'écrouler. La loi des dealers peut s'imposer. La violence s'accentuer. Et alors oui, il n'y aura pour seule perspective que l'armée dans les cités. Quelqu'un croit-il qu'un déficit de 100 000 emplois n'a aucun rôle
dans la situation de la délinquance? Quelqu'un pense-t-il qu'il pourra ériger des barrières pour repousser vers Marseille la violence, la pauvreté et se préserver de ces maux? Non, personne de bonne foi ne peut le croire. Aux maires de notre territoire, aux très nombreux vice-présidents des EPCI qui s'opposent depuis des mois à la métropole ex-Marseille, je le répète, notre vie, notre histoire, notre avenir sont indissociables. Nous, les Marseillais, on vous aime et c'est ensemble que nous ferons force. Je suis Marseillais, j'aime profondément ma ville, mais je suis de ce territoire provençal. J'ai fait mes études à Aix, je suis supporter du club de rugby d'Aix-en-Provence, le Parc. J'aime Aubagne et son marché provençal. J'aime l'âme de Pagnol. J'aime Martigues et Gaby. Je te l'ai souvent dit, j'apprécie ta gestion de ta mairie avec des populations aussi pauvres que les populations de Marseille. Mais que nous soyons... Tu n'es pas dans la métropole, Michel, désolé. Mais on peut faire un amendement, si tu veux. Que nous soyons de Marseille, d'Istres, de Salon, de Berre, d'Aix ou de Martigues, nous sommes tous de cette terre, de ce territoire que vous dessinez, madame, ce soir, de ce territoire qui a tant besoin de se solidariser pour recevoir la solidarité de la nation.